Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler, mais pas que, je vais vous montrer un petit truc tout minuscule, bien sympa. Cette vidéo pourrait faire partie des biaises vidéo, comme j'aime les appeler. Alors, première chose, on se rend sur son navigateur web, le blog Blabla Linux, donc blablalinux.be, et on peut voir qu'en date d'hier, l'article Linux Mint nouvelle mensuelle mai 2020 est sorti. Donc c'est la traduction de l'article officiel, ok, comme je fais à chaque fois. Voilà d'ailleurs ma source. J'ai eu un peu de mal à le traduire cette fois-ci parce que c'est pas le tout de demander à un Google ou peu importe le traducteur utilisé, donc de traduire l'article. Souvent ça passe crème, mais là hier ça passait pas crème, hein, c'était du petit chinois, donc il a fallu que je respecte la pensée de Clément Lefebvre, mais voilà, que je modifie un peu pour que vous puissiez comprendre. En gros, il y a une chose à retenir, et il y a plusieurs choses à retenir. Tout d'abord, je suis heureux de confirmer que Linux Mint 20, comme les versions précédentes de Mint, ne sera pas livré avec des SnapD, avec des Snap ou SnapD installés. Deuxièmement, pour faire face à cette situation, nous ferons exactement ce que nous avons dit. Dans Linux Mint 20, Chromium ne sera pas un paquet vide qui installe SnapD derrière votre dos. Ce sera un paquet vide qui vous expliquera pourquoi il est vide et vous indiquera où chercher pour obtenir Chromium par vous-même. Dans Linux Mint 20, APT interdira l'installation de SnapD. Voilà, ça c'est une chose à retenir. Deuxième chose à retenir, la prise en charge des cartes Nvidia, donc via Nvidia Optimus, a été grandement améliorée. On va pouvoir switcher facilement d'une carte à l'autre, donc d'une carte à l'autre, donc switcher de la carte Intel, donc intégrée vers la Nvidia dédiée, ou de la Nvidia dédiée vers la Intel, donc intégrée au CPU. Ok, ça c'est une deuxième chose. Toujours dans la deuxième chose, via le menu principal des applications, on pourra directement, via un clic droit sur une application, lui dire, eh bien toi, je veux que tu te lances sur telle carte graphique ou sur telle carte graphique. Voilà. Sinon, troisième chose, la barre d'état système. De nombreux applets ont été intégrés à XApp Statut Icône pour une meilleure cohérence. Et on peut le voir ici, c'est génial. On peut voir que Blueberry, Mint Update, Mint Report, NM Applet, Mate Power Manager, Mate Media, Redshift, Rhythm Unbox utilisent tous XApp Statut Icône et donne au 6-trait un aspect cohérent. Je remonte au-dessus, je vais utiliser la zone de recherche. Je vais faire une recherche sur, pas Redshift, mais sur TimeShift. J'en ai parlé à maintes reprises, j'ai été un des premiers à en parler, surtout un des premiers à aller loin dans l'utilisation de TimeShift. On peut voir TimeShift, créer et sauvegarder des points de restauration. C'est un article donc sur ce blog qui reprend un ensemble de trois vidéos. TimeShift, donc vidéo 1, comment utiliser ce logiciel, test complet ou presque. Deuxième vidéo, allons encore plus loin, restauration à partir d'un système live. Troisième vidéo, encore plus loin, Manjaro écrase Mint, mais Mint revient. Voilà. Et pourquoi je vous montre cela? Ben parce qu'aujourd'hui, on va encore parler de TimeShift. Oui. Vous allez voir pourquoi on va parler de TimeShift. Je vais lancer une machine virtuelle et Linux Mint Cinnamon 19.3 parce que, écoutez bien,
Saloperie de GSM. On va couper le son. Voilà. Ce que je vais vous montrer là est uniquement valable sur l'environnement de bureau Cinnamon. Donc ici, sur Linux Mint 19.3 Cinnamon ou LMDE 4 Linux Mint Debian Edition 4, puisque quand on parle de LMDE, donc Linux Mint Debian Edition, il n'y a que l'environnement de bureau Cinnamon proposé. Ok, donc je me connecte, c'est une fraîche install, je n'ai rien fait dessus. Voilà. Alors, si je lance mon gestionnaire de disque, on voit que je n'ai que un disque du moins formaté et prêt à l'utilisation. Mais en réalité, donc j'en ai un deuxième. Voilà, j'ai mon disque système ici. Voilà, et j'ai un deuxième disque que je viens d'ajouter à cette machine virtuelle et que l'on va préparer. On va formater la partition. On va l'appeler data. On va utiliser donc du ext4 suivant. Formater. Je rentre le passe du seigneur qui va bien. Yeah, super. En même temps, donc comme ça on revoit un peu les bases. Hein. Ce qu'on va faire, on va modifier son point de montage. Je vais le mettre dans slash home slash bbl slash data. Je valide. De nouveau le mot de passe du seigneur qui va bien. On est bon. Alors, si... Pourquoi j'ai fermé le gestionnaire de fichiers, moi? Voilà. Je vais monter data. Et... OK. Il se monte bien, vous voyez. Dans mon home. Ça, c'est une chose. Alors. Deuxième chose. Time Shift est déjà installé. Oui. Time Shift fait partie du package logiciel de base de Linux Mint 19.3. Je lance Time Shift. De nouveau pour la troisième fois, le mot de passe du seigneur qui va bien. Mais c'est ça, système libre, donc GNU Linux. On aime demander des autorisations, c'est pas plus mal. Sélectionnez le type d'instantané R5 suivant. Il y a une estimation de la taille du système qui est en train de se réaliser. Souvent, elle est pas plus ou moins juste, elle est juste. Voilà, je choisis mon disque prévu à cet effet, donc le SDB, donc le data. Clic suivant. Quotidiennement, donc sélectionner le niveau des instantanées quotidiennes. Je vais en conserver 5. Ok, je laisse comme ça. Suivant. Alors ici, je vais. Oui, je peux. Non, je vais laisser tel quel. C'est juste pour une démonstration. Je termine. Je crée le premier. Voilà. Alors, pourquoi cette vidéo? C'est génial cette utilitaire Time Shift. Personnellement, moi, je parle pour mon cas, je n'ai jamais eu de souci avec. Bon nombre de personnes qui l'ont utilisé n'ont pas eu de problème avec. Ça peut arriver que certaines personnes aient eu quelques petits soucis avec Time Shift, mais bien souvent, c'est parce qu'il y a eu mauvaise compréhension ou mauvaise utilisation du logiciel, même si voilà, il est très simple hein, d'utilisation. Mais souvent, on va dire que 9 fois sur 10, il fait le taf, il fonctionne bien. Maintenant, il y a quand même un petit truc qui n'est pas cool avec ce soft. C'est que son but, c'est de prendre des instantanés
Alors, le seul problème, c'est qu'on ne sait jamais quand il travaille. Parce que TimeShift, en fait, ce qui va se passer, vous créez un instantané, le premier, et ensuite, vous ne vous en occupez plus. Il sait bien que quotidiennement, il devra prendre un instantané et en conserver 5 au total. OK? Mais vous ne saurez jamais quand une prise d'instantané est en train d'être réalisée. En soi, ce n'est pas grave, mais sur une de mes machines, il n'y a pas longtemps, c'est une machine en fait sur laquelle donc j'ai réglé la prise d'instantané donc par time shift quotidiennement, conservation 5, comme on vient de le faire là. Mais c'est une machine que je démarre souvent, mais que je laisse très peu en route. C'est-à-dire que je vais la démarrer une fois par jour, quelques minutes. OK? Et dernièrement, je me suis rendu dans time shift et qu'est-ce que j'ai vu? Ben, le premier instantané que j'avais créé manuellement, j'ai bien vu un deuxième instantané, oui, et je n'en ai plus vu de prix en l'espace de bah, plusieurs semaines. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, le problème vient de quoi? Ben, ça pose pas de problème au bon fonctionnement du logiciel. C'est juste que, vu que c'est une machine que je démarre, certes, tous les jours, mais que je ne laisse que quelques minutes en route, la prise d'instantané, à mon avis, démarre, mais moi, je n'en sais rien, je ne sais pas qui prend l'instantané. Je coupe le système et ben voilà, l'instantané n'a pas su s'achever. Donc, au lieu de proposer un instantané, on va dire à moitié fait, il n'y a pas d'instantané, tout simplement. Et là, je me suis dit, ah oh merde, c'est vrai que c'est un peu. Voilà. Si je savais qu'il y a une prise d'instantané qui est en route, ben peut-être que je ne couperais pas mon système, mais j'attendrais peut-être quelques minutes de plus avant de le couper. OK? Eh bien, c'est là que, sous Cinnamon, il existe un applet dont le boulot est tout simple. C'est juste de vous montrer qu'il y a une prise instantanée en cours. C'est tout. Et on va voir l'installation de ce petit applet. Et là, vous vous dites, tout ça, tout ce blabla, pour ça? Eh bien oui, vous me connaissez maintenant. J'adore parler, mais pour ne rien dire, tout simplement. Voilà. Prise instantanée, ok. Alors le problème, c'est que si j'en reprends maintenant, ça, comme ça, là, clac, ben, ça va aller très vite puisque une prise d'instantané ne s'effectue que sur les fichiers qui ont été modifiés, sur la différenciation de fichiers. Donc, c'est pour ça que le deuxième, voilà, ça va très vite. Donc, ce qu'on va faire quand même, on va faire sudo apt install gimp et on va faire gimp gmic. Ouais, on va déjà installer ça. Un premier logiciel. Oui, l'instantané est pris. Ouais, il est pris, c'est cool. Voilà, ça va aller vite. Qu'est-ce qu'on installerait bien encore en plus VLC? Ben oui, il fait plus partie du package logiciel de base. Donc si je fais sudo apt install VLC. Ok. Voilà. Comme ça, voilà, il y a de nouveaux logiciels qui sont rentrés en piste. Donc de nouveaux fichiers créés. Donc, TimeShift va devoir travailler sur le troisième instantané. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ce que l'on va faire, on va se rendre dans les paramètres système. Voilà, plus besoin de l'instance terminale. Bye bye. Lui, on va le mettre comme ça. Voilà. Et toi, comme ça. On se rend dans Appeler, télécharger, mise à jour du cache. Allez, coco. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Non, pas Redshift. On va faire une recherche. Voilà. Time Shift Spy ou Spy. Montrer l'état de Time Shift. Donc, montrer que Time Shift est en train de travailler. Donc, on l'installe. Est en cours de fonctionnement. Voilà, gérer.
Il est là. Il y a quand même un petit triangle. Cet appelé contient du code qui pourrait bloquer ou même faire planter Cinnamon. Si vous avez des problèmes de plantage ou de performance, essayez de le retirer. Il n'y a aucun souci. Vous essayez, ça va pas. Vous l'enlevez, donc vous le désactivez, vous le supprimez, tout simplement. On le fera après. Donc, plus. Voilà. Et il est là. Voilà son icône. OK? Et son boulot, comme je l'ai dit. Là, je vais provoquer un instantané, donc on va le voir travailler. Mais ça veut dire que quand Time Shift sera, parce que le boulot de Time Shift, c'est de se lancer en arrière-plan grâce à des tâches cron, eh bien, quand Time Shift en background va se lancer, vous allez voir qu'il est en train d'effectuer un instantané. C'est ça qui est génial. Regardez bien. Créer. Et son boulot, c'est juste ça. C'est juste un appelé qui vous dit, hé, il y a une sauvegarde en cours. Voilà, c'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous n'avez rien à foutre de votre sauvegarde, mais c'est tout. Vous fermez votre système. Mais moi, dans ce cas de figure-là, sur la machine que je ne mets en route que quelques minutes par jour, eh bien, ça va être utile. Voilà, c'est pas mal. Alors, si vous ne le voulez plus, ben, il n'y a aucun problème, hein. Cloc. Appeler. On fait ceci. On le désactive. On peut en rester là. Voilà, et le réactiver le jour où on décidera de le réutiliser. Et si on clique sur la croix, on le désinstalle. Et il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. En attendant, moi je vous dis bye bye, une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.